Salut tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Laborestone. Donc dans ce quatrième épisode, je vais vous montrer comment faire un block swapper. Donc un block swapper, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est ceci. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça, simplement, en fait, c'est votre mur. Que vous imaginez un mur. Et hop, ça permet de faire apparaître un bloc et de le faire disparaître. Voilà. Donc je vais vous apprendre à faire ceci de suite. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de un levier, un repeater, de redstone, un sticky piston, des pistons normaux, une torche de redstone, des blocs et le bloc à camoufler. Donc pour moi, ce sera une crafting table. Donc on va commencer. Alors, vous allez commencer par poser votre levier. Ensuite, on va sortir le courant, donc comme ceci. Vous le faites descendre encore de 1. Une fois qu'il est descendu, vous mettez un repeater. Sur le bloc qui est alimenté par le repeater, vous mettez un sticky piston. Ensuite, vous pouvez mettre directement votre bloc. Ensuite, on va aller derrière. On va récupérer le courant grâce à un repeater qui alimentera une torche, enfin un bloc qui alimentera la torche, qui alimentera nos blocs, etc. Et on va le monter encore un peu. Voilà, donc jusqu'à la troisième torche apparente. Une fois que c'est fait, vous allez alimenter comme ceci avec un repeater. Et au niveau du repeater, il faut qu'il y ait un piston normal, donc comme ceci. Une fois que c'est fait, vous mettez des blocs comme ça en laissant un. On peut fermer le tout. Voilà. N'oubliez pas le petit sticky piston ici, donc qui permettra en fait de reprendre le bloc qui sera ici. Donc voilà, le bloc sort et rentre. Donc pour vous expliquer, en fait, ça, le piston d'en dessous fait remonter tous les blocs jusqu'ici, ce qui fait que notre bloc apparaît. Ce bloc-ci va le pousser jusqu'ici, enfin ce piston-là, il va le pousser jusqu'ici. Une fois qu'on va le rétracter, donc le piston collant va reprendre le bloc. Et la ligne va descendre grâce à ce piston. Je vous montre. Voilà. Donc c'était un petit tutoriel très facile, très rapide. Et qui peut s'avérer utile pour camoufler des blocs rares ou ce genre de choses. Donc voilà. Je vous dis à la fois prochaine et ciao, bye bye.